Après moi je joue pas, tu vois, je préfère jouer critique. J'aime bien ce snipe. J'aime beaucoup ce sniper. Ok. T'as vu si je les ai écroutés dans l'eau? Celui-là est à moi! Pas de touche au milieu! Non mais frérot, c'est incroyable. 207 contre 209. Vitesse d'attaque mieux. Dégâts critiques 160% frérot. Let's go. Fusasse au 51 x 2, nul. Mais frérot, ...1600 d'armure, mec. Non mais laisse tomber, là. J'ai 600 HP, les gars. Nickel. Nos ennemis sont en déroute. Ils attaqueront pas Sabot Ardent d'aussitôt. Mon écuyer stagiaire est à l'orée de la forêt. Il va vous récompenser. S'il est encore vivant. Allez, let's go, il va m'ouvrir. Chat, il va m'ouvrir. Allez, ouvre-moi, bébé. Allez, bébé. Ouais, let's go, let's go. Hey, vous, par ici. La vache, vous les avez fumés, ces ordures. Mike, le paladin, m'a permis de taper dans la réserve royale. Je sais pas ce qu'elle contient, j'y ai pas accès normalement. C'est le dernier morceau du sanctuaire de Pédibus. Morceau de sanctuaire. Let's go baby, morceau de sanctuaire mon frérot. Enfin, enfin. Ça va me donner quoi ça? L'XP les gars, ça c'est l'XP, c'est sûr. C'est sûr c'est l'XP. Là j'ai ruiné mon expérience chat. J'ai ruiné mon expérience. C'est sûr. J'ai ruiné mon expérience. Pédibus te permettrait d'aller plus vite à pied si tu reconstituais son sanctuaire. Ce sanctuaire est dédié à Pédibus, le dieu de la marche à pied ultra rapide. Ok, bon, c'est toujours ça de prier, les gars. Je prends même si j'ai l'impression que ça bug. J'ai pas l'impression que je vais plus vite qu'avant, quoi, les gars. Ça, je vais pas plus vite qu'avant, les gars, je vous le dis. L'expérience, c'est sans cuir violet. Il est où le dernier là, de ça là, chat? Il est où le dernier de ça? Je vais où? Salut, il y a des revolver Jacobs. Ouais, il y en a, frérot. Mais mec, je te jure, les armes, j'en trouve pas. Je peux relancer des armes. Je trouve pas d'armes, frérot. Je trouve toujours les mêmes armes, c'est celui-là. La seule arme que je trouve, c'est celle-là, en répétition. T'as vu, là, en rentrant ici, j'ai perdu 8000 balles aussi. Le jeu m'a facturé 8000 balles. T'as rien, arrête un peu. Pour bien batailler, achevez au proche chevalier.
vous assister. Je prends. Je vais m'en servir dans mes composantes de sort. De l'argent. L'argent ne vaut pas des objets. Dépêchez-vous de prendre mon argent. C'est quoi ça? Un vrai dieu ne peut pas mourir, les gars. C'était un piège au sol projet d'une boule de feu à tête chercheuse vers l'avant. Ouh. C'est un collier. Merde, c'est un collier, frérot. Ouais, je peux pas frérot. Ça a l'air bien, hein, mais je peux pas. Ça a l'air vraiment bien, les gars, je peux pas. On va changer un distributeur. Pourquoi je garde ça là? Je suis con, quoi. À l'attaque. Putain, on est chez les pirates, les gars. Là, mesdames et messieurs, on est chez les pirates. Donc là, vous savez ce qu'on fait ici, mesdames et messieurs, hein. C'est tout. Frérot, c'est tout. Le easter egg qui paye pas. J'aime pas ça, c'est easter egg qui paye pas. J'aime pas. Je me demande quel est le meilleur endroit pour enterrer mon butin. J'ai l'impression d'être un écureuil. Allez bien. La tête que t'as faite. Elle est très très bien, mon arme ici, les gars. L'électricité, ça a l'air d'être. L'électricité, ça a l'air d'être génialissime, les gars, ici. Parce que c'est les ennemis aquatiques. Aquatique, c'est l'électricité. Un portail vous barre la route. Et un gentleman se tient juste devant. Un gentleman avec un chapeau de pirate. Waouh! Je vais le baiser? Un squelette? Vidons-le! Non, faites pas ça, c'est un gentil, je vous jure! Y'a pas plus gentil que lui! Ouais, je l'ai à l'œil! Halte là! J'aimerais bien passer. Eh bien quoi? Vous voudriez franchir les portes sombres comme ça, peut-être? Sachez que vous parlez à Zach Sacrom, protecteur maudit de la porte du. Waouh! Et je décrète que. C'est d'accord. Ah, ok. C'était plutôt simple. Bien sûr, ça ne vous avancera pas grand chose. La porte Swag est gardée par un sublime corsaire la sanguinaire. Swag. Qu'on appelle Chartreuse le Chaste. Vous n'avez aucune la chance de Swag. Passer à moins, bien sûr, que vous m'aidiez pour une quête. Oh, une quête de pirate! Une quête de pirate! Valentine, tu as envie de faire une quête de pirate? Ah, tu peux le dire, ouais! Bienvenue à bord! Mais pas de quête possible sans mon fidèle Piafoncule, Molly. Un destin funeste s'est abattu sur elle et il nous faut rassembler les composants nécessaires à sa reconstruction. Attention, les World Gamers sont hargneux depuis l'avertissement de l'océan. Vous voudriez commencer. Mec, je fais trop de dégâts, c'est délirant. Erreur des faux salés, alias les crocs de la mer. Quelqu'un d'autre a des embêtements.
C'est débile, les gars. Stacker 25. Stacker 19, ça descend, fait chier. Je perds mes stacks. 17. 16, 17. Cette carte est juste. Ouf. Ah, dis donc, des bombes de cartographie. Waouh. Waouh, 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 doucement. Stacker 13, mec, pourquoi ça monte pas? Bouillon de magie. J'ai encore oublié de payer la facture balistique. Le dans ta face est vaincu. Jamais une mâchoire saillante ne mastiquera. Ah, ça c'est worth it. Vas-y, je vais tester SMG, j'aimerais bien jouer SMG, putain. Oh, elle a reclaqué au sol, putain. Non, mais les gigas fortes. Ok, donc on a fait déjà tous les easter eggs ici. Attends, je vais juste vérifier un truc, les gars, parce que celui-là il me fait 3 poisons. Je les ai pas, donc bon, ça me rajoute des points. Ah, donc il me rajoute des points d'élémental sans que je le... Sans que je demande. J'ai perdu beaucoup en dégâts de coups critiques, les gars. J'ai perdu beaucoup. Non, vraiment, ma lame, là, elle est giga cheat. Mais par contre, j'ai dû récupérer un petit peu... Avec 8% de chance de coup critique, ça c'est incroyable. Dégâts des armes à feu, 7%. Non, vraiment, je pense que c'est bien là. Je pense que là, c'est bien. Quoi ? Tu sais à qui t'as affaire au moins ? Après, c'est vrai que je perdais pas mal de trucs, mais bon. Ouais. Oh, attends, j'ai un Torg là ? J'ai looté un Torg ? Ah non, c'est une AR. Ok, c'est une AR. Okay. Je pense que ma SMG sera claquée au sol, les gars. C'est triste, mais bon. On y va. J'aime pas trop ce monde, je préfère la carte, les gars. Je préfère la carte, chat. Je trouve les requins un peu cringe. Ah, je trouve les requins un peu cringe. Ah, voilà le cache-œil de Polly. Paradoxalement, c'est grâce à lui qu'elle se dirige.
commence à claquer, j'en ai bien marre. Voilà ces volets de navigation. Ils permettent à Polly de voler pour repérer des voiles à l'horizon, ou ce qu'il en reste. Quelle cible juteuse avec toute cette viandasse. Oh non, c'est un mec électrique. Fracassez sa shitty. On a besoin du mec. C'est les deux quand ils m'ont donné toutes ces compétences surpuissantes. J'avais aucune chance. Non. Faut pas chercher les meilleurs. Et voilà le bec balise beuglant de Polly. Elle devrait bientôt se remettre à piailler. Elle est presque terminée. Il ne lui manque plus que le cœur Polly magique. Tout ça fonctionne à l'énergie spirituelle, bien sûr. C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ? C'est ce que je redoutais le plus. C'est Moby Dick, terreur des flots salés. Moby Dick ? Alias l'écrou de la mer. Méfiez-vous. Vas-y, j'ai envie de le baiser. Il adore, c'est sûr. Je veux le baiser. Ah oh bah ça va. Tranquille frérot en fait. Waouh, super. Il avait dû avaler pour le cœur. Bien, nous avons toutes les pièces. L'assemblage méticuleux d'un capocule requiert des années de pratique des arcanes et du bricolage. Mais j'ai une longue expérience, chat. Ça n'arrête pas ce genre de détails. Chat, j'ai l'impression d'avoir une longue expérience. Je suis juste trop fort au jeu. Je crois que j'ai ruiné mon expérience, chat. La revoilà. On attend des composants supplémentaires. Polly, c'est bien toi. Oh, tu m'as manqué, mon fidèle cafoncule. Ça, je vais dégager ça tout de suite. Claqué au sol, putain, c'est claqué. Clac, clac, clac. Prêt à réintégrer mon équipage. Quoi ? Polly vient de ressusciter. Et il sert à quoi, bel oiseau ? Polly est ma navigatrice. Si nous voulons affronter le chaste et ouvrir la porte Swag, nous aurons besoin de mon ex-équipage. Retrouvez-les, Polly. Chartreuse le jeu. Ah, c'était plus qu'un pirate renommé. Il est immortel. Son équipage a été frappé d'une rare malédiction appelée l'armure en scénarium. Oh, j'en sais merde. Chose. J'en souffre également. Armes et navires ne suffiront pas à le vaincre. Ah merde, j'aurais dû déjà commencer à avancer là. Après j'ai chopé une perle. Je trouve l'amélioration, les gars, je trouve que... Tu vois, il y avait des points badass dans les autres. Je trouve ça dommage. Ça te fait puer du bec. Ah, voilà mon scon et ses matelots. Si vous ne les dérouillez pas, ils n'en font qu'un bec. Affrontez-le en duel. Allez, prépare tes points. Ah, vous avez entendu, les gars? On nous cherche des noises. Ce serait pas un combat équitable. D'une, on possède l'armure en scénarium. Et de deux, j'ai presque pas d'alcool dans le sang. Allô, Oust, du balai. Ok.
Comment on compte forcer ceux qui passent battre? Facile, règle des pirates 27B. Tout grog renversé doit être vengé. Casse sa face. Tu viens d'enfreindre la règle des pirates 27B. Je suis à deux doigts de sortir de mes gonds. Tu casses la bagarre avec un loup de mer? Bien entendu. T'as vraiment rien écouté du tout. Quel intérêt? Tu dois te battre comme une vache laitière. Parce qu'on vient de nous lancer un duel d'insultes. Oh non. C'est comme ça chez les pirates. On va devoir lui balancer la réplique la plus cinglante, la plus méchante, la plus traumatisante de la cour de récré. Sinon, c'est perdu. Il va nous falloir des options. Ta mère est sans doute une femme remarquable, mais je pense qu'elle désapprouve ta carrière actuelle. Personne ne parle d'Hématolo de la sorte. Prépare-toi à te faire embrocher. Pas besoin d'une nouvelle coupe. C'est le système. C'est bon. Ah, ah, stop. Aïe, un sacrum. Vieux fou, t'avais dit que l'armure en scénarium nous protégerait. Ah, Danny Tello. Ça te protège de la mort, mais pas des raclés. À présent, rejoins mon équipage et aide-moi à vaincre Chartreuse le Chaste. Hurrah, plus que quelques marins à rallier, et je sais exactement où les trouver. Polly, cap sur Port Rapide. Port Rapide! Port Rapide! Port... Ouais, je sais, je fais trop mal, les gars. Je suis en difficulté max. J'essaye vraiment de rendre le truc le plus difficile possible, mais. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Avant que l'océan se fasse explosifier, Port Rapine était une petite ville insulaire pirate. Mais maintenant, du point de vue du fond de la mer, elle est perchée dans les hauteurs. Toute une ville de pirates? Ouais. Ouais, tout ça pour ça, quoi. Par ici le petit dé. Regarde. Merde. Trop tard. Tant pis. Yo, premier truc vert. C'est parti, je veux des résultats. Putain, c'est trop bien, je fais la quête en même temps, c'est incroyable. C'est incroyable, je fais la quête en même temps, les gars. J'adore. Je l'ai vu, le easter egg, les gars, je l'ai vu. Heure du décès de l'énigme. Maintenant, là. Et le coupable? Eh ben, c'était la pesade. Oh putain. Encore un gun, mec, hein. Tiens, bah tu le voulais, ton gun Jacobs? Voilà. Ça, c'est les guns qui font normalement le plus mal du jeu, les gars. Là, c'est mon gun principal maintenant, les gars. Yes, il charge comme ça. Let's go. Les gars, je commence à avoir des bons loot, là. Ça fait plaisir. Effectivement, d'ouvrir ces petits cubes, là, ça gère, hein. Ça me génère plus de bol au total.
Continue la quête. Là, avec ce gun, je peux vous dire que ça va cogner. Mais par contre, il me faut du reload speed avec ça. J'ai que 5 balles. Tiens, avec le barraquage, j'en ai rien à foutre, frérot. Je devais être en 500, 600. Là, il faut activer ça maintenant. Ah, port raté. Je sens la flibuste d'ici. Sentez la flibuste avec vos narines de chair. Le reste de mon équipage. C'est vrai qu'ils ont refait quand même les DLC de Borderlands 2. Hein. Attends. Ouais, il est pas mauvais, mais je sais pas. Après lui, il était solide. Après lui, ouais, il est solide aussi. On va voir comment il prend là avec ça. Ça reste mieux les gars parce que je recharge pas en fait. DPS est plus élevé les gars, je vous jure c'est trop triste. C'est trop triste. Attends, je vais essayer sur le skate. C'est trop triste les gars. Et en plus j'ai même besoin de viser avec l'autre. Bon après pour les petits mobs ça marche bien. Qui chante. Alors là du coup il me faut plus de dégâts de critique hein, ça c'est sûr. Il me le faut à 5 lui. Et après on va commencer à s'attarder sur la nouvelle spé. Tu vois avec l'autre je peux louper des balles tu vois, c'est ça qui est chiant. Qu'est-ce que je fais? Pas d'expérience requise! Ça va pas le faire, j'ai déjà un capitaine. Zack Sacrop, pour ne pas le citer. Zack Sacrop? C'est de lui que Gabi et moi on semble à ça. Jamais on vous rejoindra. Le chaste est notre capitaine à présent, alors tirez-vous! Gabi, remets-toi à chanter! Ils se sont ralliés à le chaste! Poussez-les à se battre, vous autres! Règle des pirates 81D. Si un ballon est éclaté, l'éclateur doit être abattu. Oh, tu sais lire, oh, c'est trop chou. C'est des ballons pour gamins. Tout le monde s'en fout. Triste époque, qui voit les règles des pirates. Je suppose que nous devons attirer leur attention plus violemment. Éclatez le ballon du fond la brise. Et hop, direction les abysses. Ils ont explosé le bateau de Le Chaste. Mon plus beau slip s'y trouvait. Nouvelle recrue, montrez un peu à ces cartes de crâne ce que vous avez dans le ventre. Tiens. Un marin d'eau douce. Du shrapnel en canot. Attention! Gabi, reste en retrait! C'est un combat équipage! J'arrive! Ouais, honnêtement, les gars, je suis désolé, hein, j'essaye de varier le gameplay, mais. Y'a rien de mieux que l'autre là, vraiment. Il va falloir perdre ça! De perceurs de coffres infestés de vérole. Quelqu'un va finir par se blesser. Y'a absolument rien de mieux, les gars. Rejoindre l'équipage de Sacrum. J'ai récupéré mon équipage. Passons à mon navire. C'est la plus belle embarcation. En fait, ouais, 5 balles, les gars, c'est de la merde. C'est ça le problème. Jamais trempé dans la mer animale. En plus, si l'autre il critique tout le temps, tu sais pas pourquoi, mec, c'est trop chelou. Pas d'hystérie ici. Très proche au cours de ces dernières minutes.
Alors, laissez-moi vous raconter par quel malheur je me suis retrouvé au fond de ce qui était autrefois l'océan. Cool. Une histoire de pirate. Ça va être barbant. Oubliez-moi deux minutes. J'étais le pirate le plus féroce de la mer Halipeuse. Je possédais un vaillant navire, un fidèle équipage et... le grand amour. Mais j'ai tout perdu. Quoi, c'est tout ? Et même pas une petite malédiction ? Écoute, marin d'eau douce, si mon histoire de pirate te plaît pas, eh ben c'est pareil ! Ah ! Tu vois, elle fait n'importe quoi. Elle oublie tout le temps de prendre la voix de son personnage dès que son histoire prend l'eau. Mais attends, mais qui c'est qui raconte l'histoire du méchant, là ? Qui vient de par là, si c'est pas Tanitien ? C'est pas tout quoi, là ? Où ? Oh ! Oh, dommage, putain. Après 5, plus 1, plus 2, c'est pas mal, hein. 14%, ouais. Après, c'est pour Adder, je sais pas, non, c'est pas bon. 543, c'est pour Squeezie. C'est pour Squeezie. Squeezie. Ça dégage, ça dégage, on est assez. Dégage. Vas-y, attends, déjà j'appuie sur X, ça va nous régler un petit peu l'affaire. 153, ça c'est vraiment le meilleur snipe, je crois. C'est le meilleur sniper, les gars, ça. Ça, je crois que c'est le meilleur sniper, les gars, attendez. Ça, les gars, attends, si c'est le... Ah ouais, c'est le meilleur sniper du jeu, ça. Lance-roquette. Oh mon dieu, mec. Ça, c'est le meilleur sniper du jeu, les gars. Le stalker. Le stalker comme ça. Ça, il est incroyable, ce sniper, les gars. Genre, Borderlands 2, frérot, tu faisais mais des cartons pleins avec ça. On va chercher les easter eggs en premier. Ce qui me manque, les gars, c'est un pompe qui fait drôlement mal, tu vois. C'est ça qui me manque, les gars, actuellement. Là, c'est un dé qui porte chance. Pas tant que ça, on dirait. Pas tant que ça, mon frérot. Putain, les loot inutiles que tu lootes dans ce jeu, putain, c'est... Mais attends, c'est start, ça. Je suis déjà passé par là. Putain, sniper, les gars, il rigole zéro. Toi, ça suffira comme ça. Oh non, il y a une autre quête, oh non. Tant de déchirements dans cette... Une affaire non réglée. Je parie que c'est une affaire non réglée. Allez, c'est terminé, je joue plus vous avec ça. Vous êtes bien aimable que vous arrêtez avec moi. Je n'en mérite pas tant. Comment c'est jeté ? Mais ma bien-aimée Yara paie un lourd tribut à ma place. Si vous voulez bien m'aider, je vous invite à me suivre. Les adorateurs roule, roule. Du serpent démon Grispissac enlève les habitants de la surface pour accomplir des rites sacrificiels depuis des temps immémoriaux. Et moi, qui ne suis pas simple pour vous, je ne peux les en empêcher. Cheaté, hein, cheaté. Ouvre la porte. Mais je peux vous prêter main forte malgré tout, en vous aidant à pénétrer le temple. Vas-y. Vous voilà devant les champs de la mort, tous tués par les sectaires ophidiennes. Yes! De quoi il parle? Y a pas de mort? Yes! Si. Y a genre tout plein de pierres tombales. Tout plein. Genre tout plein. Hein. Genre. On a compris. Plein. Ça j'adore. Minute. Des pierres tombales? C'était le fond de l'océan ça avant. Comment t'expliques ça?
Ça s'appelle de la scénographie, Valentine. Et on arrive en Égypte, les gars, let's go. Étant donné votre arsenal, je présume que la tâche ne vous intimidera pas. Let's go, baby, c'est incroyable. Et récupérer les 5 fragments de la voix de Yara. Vas-y, ouvre la porte. Par leur sombre magie. T'inquiète, j'y vais, ouvre la porte. Pourquoi ils ont fait ça? Il est juste 3h37. Connard. 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 Connard, tu me baises ma vie, frérot. Ouvre la porte, tu me baises ma vie. Connard. En souillant la mémoire de Yara, ils retiennent son âme dans le monde des mortels. Je ne connaîtrai nul repos tant qu'elle ne sera pas. Boum, 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 boum. Let's go, baby. En ce jour fatidique, Yara et moi voguions paisiblement sur... Commence par la gauche parce que je suis gauchiste. Elle me chantait une chanson d'une telle beauté que j'en avais les larmes aux yeux. C'est alors que la mer s'est mise à bouillonner. Les gars, c'est hyper dangereux. Une brusque tempête d'écailles et de graines. Une cabale d'ophidiennes maléfiques. En un battement de cils, ils ont entraîné ma bien-aimée sous les vagues. Tu mourras de mes... Électrochoc funeste! C'est pas toi ? On crève là, on y va là. La grande, j'ai plongé à leur poursuite sans hésitation. J'ai nagé et nagé vers le fond, animé par une fervente dévotion. Et au moment où je sentais mes forces m'abandonner, j'ai saisi sa main. Tu vas pas C'est terminé. Oh putain, les dégâts. Oh, oh les dégâts, frérot. Oh les dégâts, les gars. Oh les dégâts, putain. Mon sang tourbillonnait. L'eau salée me brûlait les poumons. Mais je n'ai pas lâché prise. What? Déjà morte? Wouah, mais je suis chaud, hein. Je suis chaud quand même, hein. Mec, cette arme, elle déconne. Eh, heureusement, je l'ai acheté, chat, hein. Bien vu. Non, c'est les boîtes vocales, merde! Mais je n'ai pas pu la sauver. Attends. Je peux le faire maintenant, les boîtes vocales? Ah non, ça doit être au milieu, les boîtes vocales. Oh putain, frérot. Les infâmes ont été décimés. Mais le récit ne s'arrête pas là. À présent, placez les objets arcaniques sur les piédestaux. Et préparez-vous. Car seule l'épreuve conclue par la mort de Gris Nissak restaurera la voix de Yara. Cinquième élément, les gars. Qu'est-ce qui tue? Pourquoi tu dis clown, frérot? Tu veux un timer déjà à 4h du matin, frérot? Vraiment? Qui m'appelle? Tu n'es pas l'une de mes cibles? Non, vous croyez vraiment que j'allais gagner, c'est ça? Récupérez la voix de Yara. Écoutez,
suis méga cheat. Désolé chat, mais j'ai ruiné mon expérience. J'ai ruiné mon expérience. Venez, venez, par ici. Quel supplice Yara a-t-elle dû endurer? Son âme liée aux ténèbres. Sa voix arrachée au délicat tricot de son esprit. Mais nous allons arranger cela. Qu'est-ce qui... Oh, vous avez entendu? Qu'est-ce que j'ai entendu? Entendu quoi, au juste? Son chant. Oh, le dernier qu'elle ait jamais fredonné pour moi. C'est... c'est encore plus beau que dans mes souvenirs. Ma très chère Yara, honte à moi pour l'éternité. Morte. Je n'ai pu te sauver de mon vivant. Mais même dans la mort, je ne t'ai pas abandonné. Je prie seulement pour que mes présentes actions t'apportent la paix dont les forces du mal t'ont si injustement privé toutes ces années. Je vous en prie, reconstituez-la. Oran, il est temps de lâcher prise. Yara, mais je viens à peine de te récupérer. Nous pouvons être ensemble à nouveau, mais tu dois lâcher prise. Ah. À ta guise, mon amour. Oh. Bon. .31 000 XP et un fusil à pompe 329. Attends frérot. C'est celui-là? .31 × 9, ça fait combien les gars? Ça fait beaucoup non? .289 ça fait? Oh putain! C'est pas mal. Putain, j'aime bien les quêtes secondaires comme ça qui sont fluides et qui sont expédiées. Tu vois ce que je veux dire? Genre là, c'était expédié, les gars. Vraiment. J'aime bien ça. Oh là 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 là, il nous régale! Mais c'est Easter Egg Land là! Ça se présente vraiment bien. Avec un vieux boss pourri là en plus. Excuse-moi, on est en train de le payer. Dans deux petits temps, vas-y, viens là. Allez, ciao! C'est tout ce que t'as? Oui? Alléluia, j'ai eu une petite seconde d'inquiétude. Bon sang. Allez. Putain, mais que de la merde frérot, que de la merde. Bon, je remonte. Par là-bas. Petite phase easter egg, double easter egg les gars. J'ai beaucoup aimé. Allez on continue, on speedrun la quête. Bim bam. Bim bam boum. Superbe, t'as grave fait péter les trucs. Il a rien fait péter les gars. Tiens, mais qu'est-ce qu'il a fait là?
Ah si, il a ouvert. Attends, il a ouvert, mais... Il y a un checkpoint là. Il a ouvert, mais là, il y a du easter egg là. Non ? Il n'y a pas de easter egg là ? Le easter egg est très très violent, chat. Let's go ! Le easter egg. Toujours là, le easter egg. Plus il y a de deck, meilleur sera le butin. Non, bah, il est claqué ton butin, frérot. Je suis un giga chat. Hein. Je suis un giga chat, les gars. Genre, vraiment, y a pas à niaiser là-dessus, les gars. Je suis un giga chat. J'ouvre les trucs. Cette façon qu'elle avait de mouvoir ses pinces. Elle me convainquit de déposer les armes et de traiter mes pères avec respect. De baigner ma carapace d'amour et non des entrailles de mes ennemis. C'est pas mal, ça, hein. Puis, elle périt. Picorée à mort par des harpies qui arrachèrent sa chair, laissant sa carapace vide gisante sur le sable. La haine ravagea alors la foudre, de nouveau mon cœur crustacé. Oh, perfide conscience. Waouh. C'est stylé. Boum. C'est stylé, les gars, mais bon, ça vaut pas le coup. Ah, quoique. Donc, plus de dégâts, mais par contre, 32% de chance de coup critique. Les gars, ça, c'est mes chances de coup critique au total ou juste du truc? Ok, on va voir. 13% là, j'ai combien? Chance de coup critique, j'ai 8%. Donc, c'est clairement pas ça, en fait. Ben non. C'est que le truc. Vas-y, je vais garder ça. Les chances de coup critique, c'est que le truc en question. C'est de la base, ça en a plus que ça. Bah ouais, mais mec, comment tu vois alors? Oh le boss. Comment tu vois alors? Chance de coup critique plus 40%, frérot. C'est vrai que ça doit pas être ça, frérot. Chance de coup critique, combat inégal 22%. Mec, c'est quoi ce bordel? J'ai 40% ici? Et là, il y a écrit 22%. Pourquoi on mettait clown, les gars? Bon, il y a une musique à faire là. La voilà, la goélette coquette. La seule femme que j'ai jamais aimée. Regarde, Polly, l'équipage est à nouveau au complet. Il y a même la planche. Zack Scrotum. Comment oses-tu pointer ta tête de fouine ici? Chartounet, je ne suis plus ton Chartounet. Et je t'apprendrai que j'ai formé un nouvel équipage loyal en ton absence. Même si la loyauté est un concept qui te dépasse. La goélette coquette reste à moi, Chartounet. Marin, parez à embarquer. Tuez ces canailles, servez-vous des conduits, et surprise. Ce qui est mort ne se peut pas mourir. Eh oui, 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 oui. Il est pas mauvais, le pompe. Ah non, il est pas mauvais du tout. Désolé, c'était censé être un coup de saumon.
esprit bordel est le pirate le plus cruel hein de tous. Il se rendra pas sans battre. Un mini bion là. Ok, maintenant on a un boss. Oh le con. Ok. Jet de sauvegarde quoi. Waouh, j'ai one shot. What? Tu t'es mon navire. Ça, je l'ai pas one shot, non. Ça, c'était pas one shot. Les gars, c'est aberrant. C'est Ginsworth, le maître d'équipage. Ah non, ça l'a pas one shot, c'est tout à l'heure. Hein. Pas le choix, il va falloir en buter. Il a dû cacher notre pavillon quelque part. Retrouvez-le. Bien joué, les gars. Placez-le en haut du mât et admirez-le, flottant au vent. Oh, je suis trop chaud, putain. Placez-le en plein milieu de la proue. Belle comme au premier jour. Par ici, nous allons restaurer la gloire d'antan de la goélette coquette. Un bateau, lui aussi, possède une arme. Et j'ai étudié la naviromance. Il est temps de faire danser son squelette de bois. Allez, les gars! Musique! Ah, excuse-moi, pardon. Faire danser! Faire danser! Quoi? Attendez. Clown, vous êtes si bêtes, les gars. Revenge. J'arrive pas, les gars, j'arrive pas à la trouver, putain. J'arrive pas à la trouver. Putain, avec votre culture en même temps, personne va m'aider. Vous a appelé Zack Scrotum tout à l'heure. Qu'est-ce que vous nous cachez? Vous méritez de connaître la vérité. Il n'y a qu'un moyen de une reconstitution en musique. Tout le monde à son poste. C'est un
fameux pirate charmant et costaud, le seul et beau, regard lumineux, abdos phénoménaux, je donnerai tout pour qu'il m'aime à nouveau. Pour l'éternité, telle est notre pénitence, nous sommes plus que l'été, c'est encore bien que la potence. Chartounet, amoureux de ma vie, nous avons embogué ensemble. Depuis jour maudit, je n'ai qu'une envie, que le destin enfin nous rassemble. C'est dommage que... C'est dommage que tu t'es pas là-dessus, là. Ils auraient dû te mettre sur le bateau, tu vois. Voilà immortel désormais d'un amour fou, plein de coupable. Oh, mais oui, je lui ai fait le fameux sale coup de la vie éternelle. Ça marche à chaque fois. On ne manque pas d'âme indisciplinée qui s'accroche aux lambeaux de soupir. Les gars, vous avez même pas une émo de clown, les gars, vous êtes cringe. Je parle comme elle. Si cringe. Chartounet ne m'a jamais pardonné. Puis ces hommes ont brûlé la goélette coquette et dispersé mon équipage. Voilà la vérité. Je suis responsable de la malédiction. Il m'incombe donc de réparer mes erreurs. Tony, pour l'éternité, telle est notre pénitence. Je suis servi que l'été, mais bien plus. J'ai un laser. Le mépris des tempêtes n'est pas loin. Suivez Poli, les gars. Nous devons corriger une injustice. La main du destin foule ses terres, tentant de réparer ce qui fut brisé. Chaque pas révèle un... Oh, c'est méga chill. La tâche semble insurmontable, mais les héros se doivent d'aller de l'avant. C'est méga cheat. C'est l'instant de vérité, les gars. Derrière ce mur se trouve le mépris des tempêtes. Alors, fermez les outils et flibustez-moi tout ça. Feu ! C'est Noé, yeah ! Oh putain. Je comprends ta frustration de voir autant de clowns dans ton chat. Je vais te rafraîchir un peu les idées. Ce que je... Boss, c'est un boss, les gars, c'est un boss. Boss, les gars. Tout le royaume. L'aventure. 11%, ok. Ouh, c'est quoi ça? C'est à chier, ça. À l'attaque. Bon, pour le boss, j'ai mon gun cheaté, j'ai ça et j'ai ça, les gars. C'est parti.
Waouh! C'est le bateau de Le Chaste. Prenez garde. Il est au courant de notre arrivée. Barbe à mâchoire désormais un verbe. Il n'a pas chômé. Bateau! Préparez-vous à répandre tous ces eaux quatre coins des mers! J'espère que t'avais plus rien à accomplir. Hurrah! Hurrah! Hey! Tu viens me planter un autre coutelas dans le dos, Zack Scrotum! Zack Scrotum est mort, Le Chaste. Il ne reste plus que ses os. Tu peux m'appeler Zack Sacrum. Espèce de fourbi déloyale, beau gosse. Je te pardonnerai jamais de nous avoir changés en squelette. Tu as joué avec le destin et tu m'as brisé le cœur. À l'attaque! Comme tu voudras! À l'attaque! J'enverrai ton équipage dans les abysses avant de te renvoyer à la porte nude! C'est la même arme, non? Soyez honnête. C'est la même arme, frérot. Exprimez vos sentiments, tous les deux. C'est la même SMG de merde. Tu es comme une mule. Et c'est ce que j'aime chez toi. À présent, écoute-moi, Chartreuse Le Chaste. Je suis désolé. J'aurais dû te demander avant de tous nous condamner à la morphie éternelle. Ma peur de te perdre a obscurci mon jugement. Tant que la compétence d'action est active, augmente les dégâts de 20% les poisons. Ok, donc dès qu'il y a des mecs qui ont des armures, frérot, je les fume max de malade. Ok. Tu n'as jamais su faire preuve de bon sens, ni de ton vivant. C'est pas le poison, c'était corrosif. Mais merci. Je ne peux lever la malédiction, mais je peux passer l'éternité à tenter de me racheter. Mon amour pour toi est massif, Chartreux. Oh, toi et tes paroles enjôleuses. Putain, j'ai cru. Zack, c'est d'accord. Désolé, jeune mousse. Il n'y a pas de place pour les vivants à bord. Mais je suis sûr qu'on se reverra. Après tout, vous êtes la main du destin. Et le destin doit pas. Vous trouverez la clé de la porte Swag dans mon butin enfoui. Servez-vous allègrement, car mon véritable trésor se trouve ici. Prenez soin de Polly, surtout. Où? Oh, où? Il est où? Non, je peux pas revenir en arrière. Non. Non. Pillez le butin. Surprise. Là, il va me rester à côté, non? Moins à côté. Yes, yes, non, what, oui, yes. L'amour triomphe tous. Bla, bla, bla. Tu crois vraiment à ces foutaises de main du destin, pas vrai? C'est bon. Mais elle ment comme elle respire, et elle le sait. On finit tous esselés dans l'obscurité. Hé, hey, Fred, t'as vu tout le butin qu'on récupère? On a bien fait de la suivre, cette quête de pirate. Leur amour fut plus fort que la mort, et ils étaient faits l'un pour l'autre. Attends, tu pleures pour des personnages fictifs? Je savais pas que c'était possible. Hashtag j'étais RP. Je mets du liquide de refroidissement dans tes céréales. Fred, tu vis. Je savais pas que tu pouvais pleurer dans j'étais RP, les gars. Glacé. Mais quelque part, bien caché, se trouve un petit cœur tout mou.
T'es comme une soupe d'émotions sans étiquette. Et personne sait que cette soupe est un délicieux liquide plein de bonté. Bon, ça m'a suffi. Retour aux bases. Je hais les gens. Ah, la porte est ouverte. Ouh, attends. Et il me régale de SMG, frérot. Nul. Il y avait un monde où c'était bien ça. Mais là, mon l'éclair, là, gars, c'est démentiel. Hein. C'est démentiel, les gars. L'âme de l'hiver. Non, merci. La foudre, frérot, laisse tomber. Hein. C'est... Laisse tomber. La foudre, les gars, c'est un délire. Alors, la SMG, celle-là est mieux, MDR. Ouh, j'aime bien ça. Non, j'aime pas, en fait. Allez, ça part, c'est de la merde. C'est de la merde, c'est trop. Les SMG, elles sont claquées au sol, claquées au sol. Alors ça c'est un niveau 27 quand tu passes la personne. Porte. Niveau 27 quand tu passes la porte. Ok, les gars. Alors, ça on peut peut-être le faire passer à 3, mais peut-être on n'a pas besoin de la cadence de tir. Après, 18% de cadence de tir, c'est vraiment bien. On va mettre la force là déjà, comme ça on arrête de discuter. Ici, 10% de vitesse de marche, je pense. 2% de vitesse de marche, 1 point. Ça vaut le coup, les gars. Je dirais. Après, on a quoi là? Ici, on a dégâts des corps à corps. Et santé, là, que de la merde, frérot. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette merde. Ça me casse les couilles d'avoir pris cette merde. J'aurais vraiment pas dû vous écouter, les gars. Là, je vais me coltiner le Berserker, c'est le pire truc. Ok, mesdames et messieurs, on passe dans la nouvelle zone de la carte. Et ça, j'adore. Cinématique. Oh, suite à votre. J'ai pas sauté la cinématique. Ce sanctuaire est dédié à Dola Ganesh, le dieu des coups critiques. T'as vu le coffre secret? Il ment ou pas? Parce que s'il ment, c'est bonne def. Il ment ou pas? J'y vois presque rien. À tous les coups, il ment, les gars, c'est sûr. Il ment, cet enfoiré, il ment, putain. Eh, hey, t'imagines à 4h10, tu debates? Yes, j'ai le dernier emplacement, niveau 27. Oh putain, yes, j'ai le dernier emplacement dans ma feuille, les gars. Les gars, le trésor, il était là, les gars. Il fallait ouvrir le coffre. Oh là là, pourquoi j'écoute? Là, le coffre que j'ai ouvert ici. Vous voyez, là, c'était là. Vous suivez pas. N'importe quoi, frérot. Eh, frérot, je suis à deux doigts de... Je vais pull up la rediff, frérot. Je vais pull up la rediff. Et comme ça, je vais pouvoir te ban. Juste pour ça, frérot. T'es prêt? Juste pour ça. T'as envie de me faire perdre mon temps? Je vais te faire perdre ton temps, toi. Non, vraiment, frérot. Alors, c'est parti. La rediff. Surprise. 10% de marche, je pense. J'ai 25 de marche. Tu crois vraiment à ces foutaises de main de destin, pas vrai? Piller le butin. Comme elle respire, et elle le sait. On finit tous ses scellés. Et il me régale de SMG, frérot.
Nul. Il y avait un monde où c'était bien ça. Mais là, mon frérot, je vais te montrer. Hein. Ok. Je vais te montrer pourquoi tu vas te faire ban, d'accord. Regarde bien, hein, regarde bien. L'éclair, la gare, c'est démentiel. C'est démentiel. Regarde bien pourquoi tu vas te faire ban. Parce que tu veux parler. Tu veux parler. Tu veux me faire perdre mon temps. Tu vois, du coup, t'inquiète. Et il me regarde de SMG, frérot. Hashtag TRP. Alors, regarde. Piller le butin, d'accord. Regarde bien, regarde bien. Regarde bien. Piller le butin. J'avais pas que tu pouvais jouer. Regarde bien, regarde. Mais quelque part, rien caché, se trouve un petit cœur tout mou. Et dans une soupe d'émotions sans étiquette. Et personne sait que cette soupe est un délicieux liquide plein de bonté. Regarde. Si tu payais attention, mec. Regarde. Hop. Ici, piller le butin disparaît et rejoindre la porte. Soit. Voilà. Ok, donc c'était bien ça le coffre, d'accord. Allez, le ban est pas, les gars. Ça ira pour cette fois. J'en ai ras le cul. Putain, j'ai envie d'explorer la zone là. Je commence à explorer la zone, les gars. J'en ai pour 3 heures là. Qui va là? J'y vois presque rien. Il y a des millions de quêtes et tout, frérot. Non, mais c'est trop. C'est trop. Waouh. Il y en a qui ont envie de... Putain, ça j'aimerais bien que ça me donne autre chose. Tu sens ça? Qui émane du donjon? C'est un morceau de sanctuaire. Eh les gars, j'étais obligé, j'ai trigger le truc et après j'oublierai que ce sera un morceau de sanctuaire, les gars. Donc je le fais vite fait, les gars. Je vais vite fait. Je le fais vite fait, les gars, ok? J'en ai pour deux secondes. Non, il faut que j'arrête. Tester le laser gigantesque là. Attention, ça va péter. Oh merde, la tête que t'as faite. Oh putain! Les luttes commencent à vraiment être stylées, quoi. C'est un cadavre, c'est méchant! Ça m'a... Ça va péter comme les canons d'un bateau! Sont les noobs, ça. Allez, venez. Arrête de bouger comme ça, laisse-moi faire. Un mob, c'est fini. Allez bébé, allez! Oh là 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 là. Sortez-moi d'ici, j'en suis. Ah, la map est stylée là au moins, tu vois. Génération sans toi.
Où êtes-vous, les noobs? Le dernier qui m'a regardé, c'est le jeu. Il est bien. Oh, ce snipe, il me fait rêver. Maintenant. Ça, il me fait rêver, les gars. Il me fait rêver. Silence roquette, là. Prendons la mer qui disait. Tu verras le monde qui disait. Putain! Merde! Trop tard. Tant pis. Il bouge pas, les gars. C'est bon, c'est le rêve, quoi. C'est le rêve. Le rechargement, il fait kiffer. Par contre, beaucoup de balles, hein, pas assez de puissance. On va se marrer. Mais où sont les noobs? J'espère qu'ils vont en faire un film. Faire ses maîtres, vas-y, ok. Merci bien. Que vois-je à l'horizon? Un morceau de sanctuaire. 99, allez. J'ai encore le temps, j'ai encore le temps. Suffit de demander. J'arrête d'explorer, j'arrête. Il faut que j'arrête. Oh non, 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 il y a un morceau de sanctuaire là-bas. J'arrête, il faut que j'arrête. Retour au bureau. J'ai réussi, chat. Chat, j'ai réussi.